Un attentat à la voiture piégée fait 6 morts et 39 blessés dans le sud-est de la Turquie. L'explosion qui a eu lieu près d'un commissariat a été d'une violence telle qu'un bâtiment adjacent dans lequel résidaient les policiers et leurs familles s'est effondré. Les assaillants ont ensuite poursuivi leur assaut avec des lance-roquettes. C'est à Sinar, une banlieue de Diyarbakir, la grande ville à majorité kurde du pays, que l'attentat a été perpétré. Il a été attribué par les autorités au Parti des travailleurs du Kurdistan. Le PKK a repris depuis l'été dernier les combats avec les forces de l'ordre après 2 ans de trêve. Les auteurs de l'attaque sont pour l'heure introuvables. La police qui a quadrillé la zone poursuit ses recherches.